Aujourd'hui, des Saint-Jacques rôtis sous grill aux cèpes et aux noix. Bonjour, je m'appelle Cyril Rouquet-Prévost, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Je commence par ouvrir mes coquilles. Je tourne la partie arrondie vers moi, le muscle se trouve sur la droite. La coquille est bien faite, il y a une petite fente sur ce côté droit. Avec un couteau de cuisine, je passe par la petite fente sur le côté, je plaque ma lame à l'intérieur contre la partie plate et je racle pour couper le muscle. La coquille va s'ouvrir toute seule. Je prépare mon beurre de cèpes et de noix en mixant le beurre, les cèpes séchées et les noix. J'étale ce beurre entre deux feuilles de papier sulfurisé. Je congèle cette plaque pendant que je prépare le reste. Je dispose mes coquilles Saint-Jacques dans un plat rempli de sel. J'assaisonne en poivre et en sel. A l'aide d'un emporte-pièce, je taille des cercles dans le beurre congelé. Je dispose ces petits cercles de beurre sur chaque noix. J'enfourne sous un grill bien chaud en position haute pendant 4 minutes. Regardez mes noix, elles sont bien rôties. J'ajoute une brunoise de cèpe cuit et un peu de noix concassée. Je verse un petit peu de jus de poulet et je déguste aussitôt. Ma noix de Saint-Jacques est parfaitement nacrée. Si cette recette te plaît, abonne-toi. Merci d'avoir regardé et à très vite.